Une journée porte ouverte pour vendre l'image de l'école. Pourtant, elle a aussi contribué à renseigner les parents d'élèves sur le fonctionnement de l'établissement scolaire. Les échanges avec les enseignants ont permis d'élaborer des propositions sur un accompagnement personnalisé et des activités extrascolaires encadrées. Nous avons d'abord un cadre permanent. Nous avons un programme bilingue pour cette année. Nous souhaitons que jusqu'en fin d'année scolaire, que tous nos apprenants deviennent bilingues sur un programme qui serait établi de façon 50-50, c'est-à-dire 50 programmes francophones, 50 programmes anglophones. Donc ici, nous apprenons aux enfants comment utiliser ce côté et comment s'adapter à l'international. Je rappellerai que nous sommes une école internationale. Et étant une école internationale, nous venons aussi avec un programme international qui est ici un programme particulier de façon nationale. Nous les rassurons aujourd'hui un suivi personnalisé de chaque enfant. Pour beaucoup de parents, ces échanges contribuent à l'amélioration des apprentissages. Il est de notre responsabilité, on ne peut pas tout en laisser la responsabilité à l'école seulement de faire son travail, alors que nous les parents également, nous devons accompagner nos enfants. Je dois vraiment établir un programme à la maison, de passer au moins 2 heures du temps avec l'enfant, surveiller surtout le travail de l'enfant. Si je ne peux pas le faire tous les jours, au moins 2 ou 3 fois par semaine, regarder ce que l'enfant fait à l'école. Et à la fin de la semaine, regarder s'il y a des difficultés et venir discuter avec l'enseignant sur ce qui n'a pas marché cette semaine ou pendant le trimestre ou le mois. Les responsables du groupe scolaire Paradis Kids entendent s'adapter aux nouveaux besoins des parents pour une éducation de qualité en lien avec les changements sociaux.